Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, eh bien, une petite recette pour la vie de tous les jours. Et puis, comme moi j'ai des enfants, c'est une recette qui devrait leur plaire. Je vais faire des spaghettis à la vache qui rit, mais ce coup-ci, ce que j'ai pris comme vache qui rit, c'est de la vache qui rit au Lerdammer. Donc, si vous n'aimez pas le Lerdammer, vous prenez des portions de vache qui rit normales. Donc, pour cette recette, eh bien, c'est pour 4 personnes. Là, j'ai 240 g de spaghettis, j'ai 3 portions de vache qui rit, donc au Lerdammer. Je vais quand même mettre une petite boîte de tomates pelées. Là, c'est du râpé de jambon fumé, ça va parfumer un petit peu. Là, j'ai 400 ml d'eau avec un cube de bouillon de bœuf émietté. Et puis, on sale et on poivre selon notre convenance. Eh bien, vous allez voir, pour cette recette, c'est super rapide et c'est super facile à réaliser. Je vais commencer par mettre mes spaghettis donc, qui sont coupés en deux. Je vais mettre mon jambon, mon râpé de jambon. Voilà, on va mélanger. Ensuite, je vais verser eh bien, la boîte de tomates pelées. Je coupe un petit coup en deux. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais verser mon bouillon. Donc, on part sur une base de 400 ml. Ça doit recouvrir voilà, mes spaghettis. Donc là, c'est bon pour 400 ml. Ensuite, je poivre. Pour le sel, moi, j'attends toujours le moment de la dégustation. Parce qu'avec le cube de bouillon de bœuf, eh bien... ça c'est déjà relativement assez salé. Pour les portions de vache qui rit, eh bien, on les mettra quand la cuisson sera terminée. Allez, pour la cuisson, on va se mettre en mode manuel, en cuisson sous pression ou cuisson rapide selon les modèles de Cookeo. On va programmer, là c'est simple, on regarde le temps indiqué sur le paquet de pâtes et on divise par deux. Moi, ce sont des spaghettis 10 minutes, là je vais mettre 5 minutes de cuisson. Je fais un départ immédiat, je peux fermer mon couvercle. Et bien je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. Et bien on va ouvrir notre Cookeo qui s'était mis en maintien au chaud. Et maintenant je vais ajouter et bien, mes portions de vache qui rit dans la cuve et je vais mélanger jusqu'à temps que ça fonde. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.